C'est Nilda, j'espère que tu vas bien. Si je suis apparu dans tes recommandations ou que tu es un habitué de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ça aide énormément la communauté et notre chaîne à grandir. Donc voilà, j'espère que la vidéo te plaira. Sur ce, je te laisse avec cette vidéo. Passe une bonne journée. Eh bien, on est parti, les gars. Match face au SCO d'Angers. Donc Miguel Silva qui fait ses débuts en Ligue 1. On est parti. Donc merci d'être aussi nombreux à avoir suivi les débuts de Miguel Silva et de continuer à suivre aussi Leandro qui est passé milieu de terrain. Et là du coup on se retrouve avec un Portugais en pointe et qui a fait des gros débuts en préparation. Même si ça reste la prépa, il va falloir faire des gros débuts en championnat également. Donc alors, attention les gars, je connais pas tous les joueurs non plus du RC Lens, j'en connais pas mal mais pas tous. Donc il va falloir être indulgent des fois sur les noms. Je vais pas tous les reconnaître au premier abord. Là, ouh, si j'aurais pu récupérer ce petit ballon là. Attention Sima. Sima le centre, Johnny, la parade. La parade magnifique du gardien. Donc c'est Farinès, il me semble, c'est pas Bamba dans la cage. À Samba, pardon, Brice Samba. Voilà, bien joué. Oh, il y a du Zlatan en Silva. Allez. Ah, c'est pas à moi de revenir là, mon petit ailier là. Notre équipe là. Oh, c'est quoi ça? Mais la main en l'air. Donc, à savoir que Miguel Silva aura une carrière totalement différente de celle de Leandro. En termes de choix de club, etc. Hein. On va varier les plaisirs. Mais pour l'instant, on est au RC Lens. Il va falloir s'imposer déjà avant de parler de quoi que ce soit. Mais pour l'instant, on ne touche pas de ballon. Bien joué ça. Ah putain, il est costaud. Oh, le bon ballon pour Bellarabi. Bellarabi, le but. Oh putain, la récupération incroyable de Miguel Silva. Et première passe décisive en championnat, en Ligue 1. Et quel ballon dans l'intervalle. Et quelle frappe de Bellarabi qui vient ouvrir son compteur but en Ligue 1. Et le compteur de passe décisive pour Miguel Silva. Les deux recrues qui sont très en forme dans ce début de match. Et but contre le cours du jeu, hein, clairement. On n'avait pas du tout le ballon, on n'a pas touché un ballon. Et premier ballon vraiment exploité par Miguel Silva a fait but. Donc c'est parfait. Et en espérant que ce soit de bon augure pour la suite. Jimmy Cabot. Pour Miguel Silva. Jimmy Cabot toujours. Miguel Silva repris. Ouh, j'ai failli tacler là. J'aurais pu faire faute. Van Boufal pour Amadou. Amadou pour Boufal. Kéti, Boufal. Van Boufal. La frappe de Johnny, la parade. Magnifique arrêt. Encore une fois. Attention, on prend Johnny au marquage, nous. Oh, la tête et ça passe à côté. Sans problème pour notre défense. Allez. La tête de Silva. On prend tous les ballons de la tête, ça par contre c'était prévu. Dès qu'on est aux abords de ces ballons là, on n'est pas loin d'attraper ces ballons là. Le gros tacle, oulala. Faut que je me méfie parce que moi je fais des tacles d'attaquant. Hein. Vraiment. Et c'est la mi-temps. 1-0 pour le RC Lens face au SCO d'Angers. Et on est pas mal du tout. On est vraiment pas mal. On s'en sort bien. Petite passe décisive, même si on n'a pas eu d'occasion de frappe vraiment à se mettre sous la dent. Bien joué. Oh, le bon ballon pour Miguel Silva. Ah, il est bien défendu ce ballon. Touche là. Ouais, celui-là. Ah putain, ils se font bousiller. Oh, il y a coup franc. Ah, je le tire pas, dommage, c'est pas grave. J'ai augmenté un peu les coups francs, les gars, à savoir.
pour pouvoir les tirer quand même. C'est bien frappé, c'est dans le mur. Malheureusement. Oula, le retour. Pour revenir. Et Miguel Silva qui met un bon coup d'épaule pour freiner un peu la progression du ballon. Là, là. Allez. Là, on a. On va aller prendre le ballon. Oh, il y a encore une faute. Non, non, il y a main. Il y a main d'un de nos joueurs. Là, j'ai augmenté les coups francs pour pouvoir les frapper. On est vers Célance, donc il y a possibilité quand même, je pense, de tirer les coups francs. Lazic, Pochetti. Amadou. On va s'économiser un peu. Alors, en enchaînement de match, là, même si c'est le début de saison. Ouh, fais attention quand même. Ne pas perdre les ballons là. Il a joué ça. Miguel Silva. Ah, je suis pas assez rapide encore. Pour percer comme ça. Je suis pas assez rapide. Elle a ravi. Il a joué. Oh, la frappe, pied gauche. Et la grosse parade du gardien. Il n'y a pas eu de souci à l'arrêter quand même. Même si elle était un peu puissante, ma frappe. Miguel Silva dans les bras de Bernardoni. Bernardoni tranquille sur ses frappes pour l'instant de Miguel Silva qui sont pas très puissantes. Et je risque d'être remplacé. C'est bizarre quand même quand on voit le. Je fais pas un mauvais match non plus. Après, bon, en tant que BU, c'est normal d'être remplacé. On a perdu du temps. On change d'attaquant. On va pas se plaindre pour l'instant. On est déjà titulaire dès le début. Ah, c'est pas assez long. C'était sur le côté. Oh, c'est dans le dos. Le centre. Trop court. C'était mauvais pied de Frankowski aussi. Si on peut rester à 1-0, c'est pas mal. Mais bon, j'aurais bien aimé mettre mon petit but là en premier match en ouverture de championnat. Allez. Je suis là. Bien défendu. Oh, aïe, 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 aïe. J'ai pété les plombs. J'ai voulu récupérer un ballon et vu comme je suis lent, bah ça a pas donné grand chose. À part un carton jaune d'office. À part si à la fin du match. Si la fin du match est sifflée, à la rigueur, je prends pas de jaune. J'espère juste qu'il n'y a pas l'air de but. Voilà, c'est bon. Ah si, je prends mon jaune quand même, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ah putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu prendre un rouge comme un débile. J'ai totalement pété les plombs, mais bon, ça fait victoire. Victoire pour l'RC Lens. Des fois, je fais des trucs totalement cons aussi, il faut dire ce qui est. Ça, oh, le PSG, oh, bah, 4-0 contre Monaco dès le début, allez. Ça débute direct les hostilités, on n'en parle pas. Ils envoient direct le steak. Hein. Le PSG cherche pas trop à comprendre. On va se faire le petit entraînement parce qu'on a dit qu'on les faisait sur cette carrière. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois je me fais niquer, même quand je fais des bons matchs, c'est un peu abusé. Progression joueur, on a 3 petits points à se mettre. On peut se les mettre sur force et endurance, ça peut être pas mal. Et on se remet un peu d'endurance, voilà, histoire de pouvoir quand même terminer les matchs avec une bonne. Comment dire, une bonne condition physique. Allez, on est parti pour le match face à Ajaccio. Allez. C'est parti. Match face au Corse. Le nord face au sud, entre guillemets. Hein. Les opposés, les extrémités de la France. Allez. Les Saint-Héor qui mènent, qui ont, on va dire, pris les premiers 3 points de leur championnat et qui lancent bien leur saison quand même. Là par contre, il n'y a personne. Allez, un ballon long. Ah mais j'ai personne. C'est un peu le problème que j'ai remarqué là depuis, même en préparation, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... À part Bellarabi qui prend vraiment des décisions offensives, et ben on est là et on peut faire vraiment le nécessaire.
Allez, Silva, désolé pour la petite pause, les gars, j'ai eu un appel. En plein vidéo, c'est sympa. Allez, Silva. L'exter de Silva. Oh, putain de bordel de merde. Pardon, excusez-moi pour les gros mots, mais alors là, j'ai tenté un exter. C'est rare que je tente de cette distance. Et putain, ça a fait poteau. Oh, je suis dégoûté. Ça aurait été incroyable de marquer comme ça. Mais attention. Et là, Lily. Oh, le bon ballon. Ouh, c'est dégagé. La tête. Ouais, bien joué. Oh putain, il y a faute. Non, je déconne, il y a vraiment pas faute. Il m'a très bien défendu, surtout. Qu'est-ce qu'il fait, notre milieu de terrain? Et Seko Fofana, il a quitté le club ou c'est comment là? Parce que ça fait quand même deux matchs qu'on le voit pas. Et ça me fait un peu peur parce que. On va dire, ça, c'est des joueurs sur lesquels on peut se reposer facilement au milieu de terrain. Et là, ça fait deux matchs qu'on le voit pas. Oh putain, je passe à travers. Attention, parce que là, il y a une bonne occasion pour Ajaccio. Oh, bien défendu. Ah, bien joué ça. La passe, c'est pas bonne. La passe, c'est pas bonne. Le Miguel Silva, voilà, c'est pas pour l'instant un passeur né. Hein. De toute façon, il va être orienté vachement attaque, donc les passes, ça sera au second plan, mais bon. Les passes courtes, il va falloir quand même que je les augmente. Après, là, on vient de commencer. Hein. Il va falloir que j'augmente les passes et les dribbles pour pouvoir avoir un bon contrôle de balle quand même et avoir un joueur assez complet malgré tout. Oh là là. Y a personne. C'est compliqué quand même. Pourquoi ils sentent pas en première intention? Putain. Centre en première intention, mec. J'y vais moi à la tête. Je veux aller à la tête. Je veux mettre des coups de tronche. En plus, ça commence à pleuvoir là. C'est pas bon ça. Il va pleuvoir là. Il est comme irréel. Ça va être dégueulasse. Le terrain va être dégueulasse. Jouer ça. Mal joué par contre celui-là. Oh la grosse faute. Le crochet de Miguel Silva. Encore faute. Là. Miguel Silva, oh ça s'envole. Ouais par contre ouais, le petit carton, ouais merci parce que là. Là il y a une grosse occasion hein, derrière s'il donne coup franc. Oh les milieux de terrain sont vraiment trop loin de moi. Il nous manque notre petit Seko au milieu de terrain. Notre Seko Fofana. Voilà. C'est long mais bon. C'est dans les pieds quand même. Le côté, l'autre côté. L'autre côté, bordel. Putain mais... C'est pas possible là. Ils ont aucune logique là dans le jeu là. Ça vient d'un côté, tu pars de l'autre en fait. Putain, là, pour l'instant, on n'a pas d'occasion à cause de ces conneries. Là, je suis obligé de frapper de loin. Et hors jeu. Putain, moi, j'aimerais bien avoir des ballons. J'ai 5,8 de notes, tellement j'ai pas touché une quille. Voilà. Après, quand on n'est pas mieux terrain, on touche beaucoup moins de ballons, c'est sûr, mais. Ah, joue côté. Putain, mais joue côté là-bas. Putain, voilà, ça faut être intelligent un peu. Ah, bref, de toute façon, à chaque fois que j'ai un ballon, je le perds. Faut vraiment que j'augmente ma réactivité aussi. En fait, là, pour l'instant, il est très lourd, mon joueur. Et c'est un peu ça le problème que j'ai là, c'est qu'il est vraiment lourd. Ah, Miguel Fiziva, la barre encore, mais c'est pas possible, mais j'en ai marre. Ça fait deux barres d'affilée là. Le poteau et la barre, dans ce match, là, ça fait beaucoup. Il risque d'être remplacé, mais vous avez vu, j'ai vraiment pas de chance, quoi, aussi. Là, en plus, je fais faute. Là, je vais être remplacé, c'est sûr. Oh là là.
Et on prend un but, hein, mais c'est incroyable. Ah, ce match, il est acheté à la poubelle. Et je sors. Ah, ce match, il est acheté à la poubelle. Ah, j'ai pas. Et on prend 3-0. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh bah alors là, ça m'a fait redescendre en 2 secondes là. Incroyable qu'on se fasse défoncer comme ça là, sur cette action. On met deux, le jeu nous a puni totalement quoi. Allez, on joue contre les stacks, il nous a puni totalement le jeu. On a mis 2 barres, enfin un poteau, 1 barre. Mais j'ai pas assez de ballons dans la surface en fait, j'ai pas de ballon aérien à jouer, etc. C'est ça le problème que j'ai pour l'instant, c'est que j'ai pas en fait mon joueur est pour l'instant est pas très rapide, etc. Et j'ai besoin d'avoir justement ces genres de ballons là. Et je ne les ai pas pour l'instant. Allez, la frappe enroulée, la parade de Moulin. Et là il y a un corner. C'est là maintenant qu'il faut que. Voilà, que j'ai des ballons comme ça. Même si là je peux pas la prendre. La reprise contrée. Enfin, il la sort de la tête l'autre. Putain, je crois pas. Il m'a pas respecté. Il a joué ça. La faute encore. Là, je les tire toujours pas. Hein. Allez, mets là-dedans. Une belle lucarne, s'il te plaît. C'est bien tapé. Oh, dommage. Ah, c'est contré, d'accord, ok. Enfin, c'est nickel. Allez, corner, c'est trop court, mais la tête, oh, elle fuit le cadre. La tête de Miguel Silva, elle fuit le cadre, malheureusement. Touche là. Bien joué. Là, on est déjà un peu mieux. Ah, la perte de balle de Perla Rabhi. Ah, bien joué ça. Elle fait mal la défaite face à Ajaccio quand même. Oh, on s'est pas compris. Il y a une main pour nous. Ok. Bah Miguel. Oh putain, mais oh. Je me fais défoncer là. J'ai pris des coups de latte là. J'ai même pas pu toucher le ballon. T'as même enfoncé dedans le mec. Bien joué, Miguel Silva. Oh, c'est mal joué. Ah, Cabo, ouais, ce que je veux dire, c'est pas un joueur de tête. Qu'est-ce qu'il fait à côté de moi, lui? Il est pas ailier gauche, là? Allez, arrête, t'es plus à ton poste, mon gars, là. Parce que là, à part en prendre tous les ballons, il fait rien d'autre, là. Bien défendu, ça. Très bien défendu. Frankowski que j'ai sur Ultimate Team en briseur de règles, là. La carte bleu ciel rose, là. Que j'ai paqué. Il y a main pour nous. Voilà, bien joué. Ouais, on met vraiment trop de temps. Enfin, en fait, on n'a pas de joueur offensif, hein, clairement. Il n'y a pas de joueur offensif à Lens. Il n'y a pas de joueurs qui vont prendre le ballon ou qui vont l'emmener vers l'avant. Là, je suis obligé de le faire moi pour l'instant. Hey, Cabo. Ah, bien joué, Bela Rami. Ah, on n'aura pas touché un ballon. On aura eu une frappe, une tête. Mais pour l'instant, voilà, c'est un peu en dedans, là, ce début de saison. Un peu freiné. Par les mauvaises prestations. De notre équipe en général, de toute façon. Il va y avoir des moments où on va être moins bien dans le jeu. On va être un peu mieux et vice versa.
des phases, on va dire, de génie et des phases un peu endormies. Attention, Bruno Ripart. Ripart, il l'a laissé avancer. C'est quoi ce bordel? Le défenseur l'a laissé faire complètement. Là, je suis obligé de mettre une tête pour m'en sortir, quoi. Ah là 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 là, compliqué. Hein. Regardez-moi ça. Il y a un gros problème au niveau de l'équipe. Hein. Voilà, bon ballon, ça. Ah d'accord. Ok, voilà. Donc, ouais, faut vraiment que j'augmente Miguel en dribble. Parce que là, j'ai voulu faire une feinte, il l'a pas faite. Il a genre littéralement, il l'a pas faite, quoi. Lexter! Oh, but! Oh, c'est cheaté! Oh, c'est cheaté, Lexter! Ah, oh, c'est cheaté! C'est incroyable! Je l'ai tenté encore. Ah, bah, ça me rattrape de ma bourde juste avant. Clairement, parce qu'elle était vraiment pas belle, cette action là où je veux feinter, il feinte pas, et du coup, le gardien me la prend dans les mains. Premier but de Miguel Silva. Et quel but! Alors, faut pas en abuser des extérieurs, mais là, pour le coup, je me suis dit, allez. De toute façon, j'ai pas de pied gauche. Je tente une belle frappe et ça rentre. J'ai. Voilà. On a combien de gardiens à Lens? Ouais, je suis hors jeu. Je suis jamais hors jeu. Ah! Ça a tenté une talonnade. Je voulais refaire un extérieur. Je suis obligé de faire l'extérieur, j'ai pas de pied gauche pour l'instant. Encore! Ah putain, j'ai voulu faire l'extérieur, mais il a tenté une talonnade. Oh, le bon ballon encore. Qu'est-ce qu'il fait, Cabo? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce bonhomme? Ah, je prends un rouge, allez. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, je prends un jaune. Mais ouais, mais en même temps, l'autre il dort là, Jimmy Cabo là. Impossible ça. Prends le ballon. Mais putain, mais allez dessus! Là, les gens après ils me reprochent d'utiliser le pressing, mais il n'y a pas un joueur qui va défendre en fait. Je suis obligé d'utiliser la touche de pressing pour qu'ils aillent dessus un minimum. Oh là là. Bah, je joue le gardien. Oh, je rentre dans le vide, incroyable. Faut revenir là, les gars. Putain, je suis obligé de revenir moi, je suis attaquant de pointe. Voilà, fini, victoire, putain. Oh, c'était poussif. C'était poussif parce que franchement, ça n'était pas du grand gameplay là, ce qu'on a proposé. Et on s'en sort encore avec un jaune et je crois que je vais être suspendu du coup hein, pour le prochain match. Et ouais, je fais deux tacles totalement inutiles. Ah, j'ai jamais vu celle-là. Ah si, mais je crois que j'ai déjà vu cette animation. Homme du match. Ah mais c'est pour ça, c'est mon premier titre homme du match. Ouais, homme du match, putain, j'ai pas fait une grande prestation non plus. Hein. Faut peut-être pas abuser, homme du match. Hein. On va se refaire l'entraînement. Non, on va avancer pour se faire un petit entraînement. De toute façon, on arrive à la fin de la vidéo. On va pas jouer le match de Strasbourg dans cette vidéo. Elle risque d'être un peu longue après. Ouais, si, allez, on va se le faire. On se le fait pour le plaisir. Allez, on se le fait pour le plaisir. C'est parti. Oh la resta. Incroyable la resta, les gars. Incroyable. Trop beau gosse, Miguel Silva. Oh un putain de beau gosse.
Allez, c'est parti. Match face à Strasbourg. Où tu vas, bonhomme? Le centre? Oh, il est bon. Elle à moi. Elle à nous. Corner. Ouh. C'est pas un ballon facile, mais... Allez, corner. La tête. Du défenseur. La frappe enroulée. La parade. Quel arrêt. La petite horizontale, là, pour sortir le ballon de la frappe de Miguel Silva. Et quel arrêt du gardien, quand même. Mais attention, le bon ballon. Le bon ballon. Le gardien qui est sorti. La feinte. Oh, c'est bien défendu. Heureusement, le retour. Et attention, le contre. Oh, ça va dans tous les sens dans ce début de match. Oh, c'est contré. Dommage. L'appel était bon. Oh, ça va dans tous les sens dans ce début de match. Oh, le bon ballon. Ah, mais pourquoi tu... Putain, j'ai envie de te maudire, toi, depuis tout à l'heure, là. Allez. Attention. Là, c'est Strasbourg, hein, les gars. Strasbourg, c'est pareil, ça fait partie des grosses équipes aussi. Depuis la saison dernière, ils sont totalement... totalement révélé aussi. Ah, le bon ballon pour Miguel Silva. La frappe enroulée, la parade encore. Putain, mais c'est pas possible les arrêts. Ah, j'ai le démon. Il la sort. Elle était un peu sur lui, mais bon, le geste était bon, la passe était bonne de notre coéquipier. Ah, bien défendu ça. Faute. Ah, bien joué. Oh, c'était pour qui ça? Bon ballon. Ah mais je peux rien faire. Putain mais montez devant, bordel. Montez devant. Attaquez là en fait. On a un ballon comme ça de contre. Je sais pas, montez. Essayez de faire quelque chose Moi je peux faire quoi avec mon joueur là, qui est pas du tout dans cette optique là en fait. C'est pas un joueur qui est dans l'optique de pouvoir dribbler 25 joueurs pour l'instant. Donc, je sais pas, faites quelque chose en fait. Je vais pas attendre à chaque fois que vous montiez. En plus, si, le pire, vous allez me dire, ouais, mais attends, garde le ballon. Ouais, mais garde le ballon, mais il monte pas en fait. Même si je garde le ballon, vous avez bien vu, il monte pas en fait. Il ne monte pas du tout. Et ça fait vriller. L'IA ne veut pas attaquer en fait. Pourtant, on est dans un 4-3-3, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans une composition qui fait qu'on va faire full défense, quoi. Voilà, bien joué ça. Ah, mais je veux pas plus vite que lui, hein. Côté. Mais côté, bordel! Côté, je vais... Ah, je vais péter un plomb. Je vais m'énerver. Je m'énerve pas beaucoup les gars, mais là par contre je vais vraiment m'énerver là. Il y a aucune logique. Ils ont aucune logique au RC Lens. Il y a pas un joueur qui a une logique en fait de faire la passe sur le côté là. Ça paraît logique en fait. Putain, on va prendre un but. Ah, oh, je rage pas beaucoup, mais alors là ça m'énerve un peu là. Quand ils ont pas de logique comme ça. Il y a main de notre adversaire. Ah mais je peux. Oh, c'est le ballon de merde. Ah oh mais putain, mais remets-la moi pas. Ah mais oh, garde là ta putain de balle. Oh, Jimmy Cabot. Allez. Et voilà. Ouh. Oh là là. Miguel Silva.
Encore un but. Oh putain, oh. Oh, Belarabi m'a fait 40 fois la passe, gros. Il est là, il veut faire des 1-2 tout le temps. Bah, gros, on prend le ballon, on va tous les deux, on va au bord du terrain, on va sur City, on se fait des passes. Hein. Ça va qu'il y a but, quoi. Oh, elle est parfaite. Là! Oh non, il sort! Oh, Jimmy Cabot qui donne des caviars hein, et qui sort malheureusement. Oh, il la sort encore. Ah là, on est bien là dans ce match. On est déjà mieux, on est offensif déjà. L'équipe est offensive. Oh, la tête, c'est but! But de Belarabi. Magnifique but de Belarabi, le bon corner, bien frappé, et ça fait but. Et ça sent la victoire, et ça c'est bon par contre. Là, le Nice qui gagne 3 buts à 1 face à Brest. On aura rattrapé entre guillemets l'affront de la défaite 3-0 face à Ajaccio. Hein. Même si ça restera dans un coin de la tête. Attention par contre. Regardez, regardez le temps que je dois attendre pour que les coéquipiers montent et perdent le ballon. Enfin, c'est un truc de dingue quand même. De pas avoir un appel comme ça. Bon, il y a 2-0, après il reste 5 minutes. Mais. Donc, oui, forcément, faut peut-être pas trop aller à l'abordage, mais quand même. Il y a peut-être un minimum. Voilà, on est dans un jeu, hein, on reste dans un jeu quand même. Les mecs doivent un minimum monter, quoi. Oh là, j'y vais. Oh, j'y vais. Comment ça? Comment ça, Miguel? T'es cuit, Miguel? Putain, ouais, je suis totalement cuit aussi. Et fin du match, victoire. 2-0. Et ben on aura attendu l'heure de jeu pour faire décanter cette situation. Et on sort avec une note de 8,6. On va sûrement avoir aussi le trophée d'homme du match. Ce qui serait pas illogique non plus. Et c'est le cas, deuxième trophée homme du match d'affilée. Et ouais les gars, on est présent. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. On se retrouve pour les suites des carrières de Leandro et de Miguel Silva. Passez une bonne journée, c'était Nildax. Ciao. Take your chance, be now. Il m'a mis à mes rondons.